Leurs Altesses Royales veulent transmettre les sincères remerciements et la gratitude de la nation pour tous ses efforts visant à assurer la sécurité des personnes et à faire fonctionner le pays. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, le prince William et Kate Middleton ont embarqué à bord du Royal Train pour une visite en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, afin de remercier les travailleurs de première ligne, les enseignants ainsi que les bénévoles qui ont travaillé énormément durant la crise sanitaire. Si la démarche des parents de George, Charlotte et Louis est louable, les fans de la famille royale assurent que ces derniers ne donnent pas le bon exemple et que malgré les efforts qu'ils font pour remonter le moral du peuple, ils participeraient en réalité à un voyage non essentiel au plus fort de la crise. Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de donner leurs avis et de se faire entendre. On peut ainsi lire, il ne montre pas vraiment un bon exemple au pays. Nous devons rester chez nous pour assurer la sécurité de nos êtres chers, on ne peut pas voir les gens qui nous tiennent à cœur et ils visitent le Royaume-Uni. On a vraiment l'impression qu'ils claquent des doigts et disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ou encore, ceci est classé comme un voyage non essentiel pendant une pandémie, dans des zones d'alerte très élevées. Ils voyageront du niveau 2 au niveau 3. En colère, un internaute a demandé, une grande partie de l'Écosse est confinée de niveau 4, mais ces deux-là peuvent évidemment contourner ce que la personne moyenne ne peut pas. Pourquoi ? Ce à quoi a répondu un tweeto, parce qu'il a eu la chance de naître dans la famille royale et qu'elle a eu la chance d'avoir étudié l'histoire de l'art avec lui. Des mesures strictes, la majorité de l'Angleterre est soumise à des restrictions de niveau 2 après son deuxième confinement. En vertu des restrictions imposées par le gouvernement de Boris Johnson, les ménages vivant au niveau 2 et 3, couvrant 99% de la population en Angleterre, sont interdits de voir du monde et il y a des contrôles stricts sur l'hospitalité. Alors que les pubs et les restaurants du niveau 3 doivent rester fermés, sauf pour les plats à emporter et les livraisons, ceux du niveau 2 ne peuvent servir de l'alcool qu'avec un repas substantiel. En vertu de la réglementation écossaise, les habitants sont tenus de ne pas voyager entre l'Écosse et le reste du Royaume-Uni à moins d'avoir une excuse raisonnable, y compris le travail, les études ou les achats essentiels.